1, 2, 3, c'est parti. Bon, allez, bonsoir à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui sort un tout petit peu du lot habituel. On va parler de système de système, de défense et de transformation numérique au ministère de la Défense. Donc, Dominique Blouzeau va nous faire l'exposé sur cette problématique ce soir. Donc, Dominique travaille au ministère de la Défense. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il entend par transformation numérique au sein du ministère. Je vous laisse la parole. Vous avez 45 minutes. Merci beaucoup. Un peu juré de thèse comme ça, là. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, effectivement, je suis au ministère de la Défense. Aujourd'hui, je suis donc directeur adjoint de ce qu'on appelle la DIRISI, c'est la Direction interarmée des réseaux, infrastructures et systèmes d'information de la Défense. C'est-à-dire, grosso modo, l'opérateur de la Défense et également en charge d'un certain nombre d'achats dans ce domaine-là. Et ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est toute la transformation numérique du ministère. Et en fait, je vais aborder une présentation qui montre comment ça s'inscrit dans la transformation numérique de l'État. Et puis, on va aller, en gros, de notions d'architecture d'entreprise au niveau interministériel, à une architecture entreprise au niveau ministériel, puis des architectures d'entreprise au niveau système de système, et après, architecture des systèmes qui permettent d'implanter cette transformation numérique. Donc, c'est un exposé que j'ai voulu assez général, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions après. En termes de système, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, j'ai plutôt voulu montrer comment on pouvait faire toute une transformation en allant d'une vision générale à, après, l'architecture de systèmes particuliers pour implanter cette vision et montrer les allers-retours entre ces deux niveaux. Alors, d'abord, on s'inscrit dans une vision générale, comme je viens juste de le dire. Donc, la vision générale pour le ministère de la Défense, c'est une transformation numérique qui permet d'assurer la qualité de service, de transformer le ministère pour améliorer les conditions de travail et améliorer également, réduire les coûts de fonctionnement, donc améliorer l'efficience. Et il est reconnu par tout le monde que les systèmes d'information sont un des éléments stratégiques pour mettre en œuvre justement ces différents objectifs. Ce qu'il est important de remarquer, comme toute démarche d'architecture d'entreprise, c'est qu'on se place dans un environnement beaucoup plus général. En fait, on est dans un environnement interministériel avec des arrivées de grands systèmes d'information auxquels les différents ministères doivent utiliser, comme par exemple le Corus, qui permet de faire le suivi des finances de l'État, mais aussi en termes d'infrastructure, le réseau interministériel de l'État, le RIE. Et puis, par ailleurs, il y a une spécificité pour le ministère de la Défense, c'est que, comme le nom Défense le dit, on agit également avec d'autres, avec des alliés, que ce soit différentes forces de l'Union européenne ou alors en particulier différentes forces de l'OTAN. Donc ça donne des contraintes en fait extérieures sur les différents systèmes pour arriver justement à assurer cette interopérabilité. Donc ce qui est intéressant au niveau de l'architecture d'entreprise, c'est de voir ces inputs qu'il y a tant au niveau de contraintes de fonctionnement interministériel que de contraintes d'interopérabilité avec des organisations extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on recherche à faire au niveau du ministère de la Défense? C'est un système d'information de manière générale, c'est-à-dire quelque chose qui permette de mettre en œuvre la stratégie pour répondre à un certain nombre de problématiques métiers et en utilisant un certain nombre de technologies. Et évidemment, au service de ce que doit faire le ministère de la Défense, c'est-à-dire le fonctionnement du ministère, mais en particulier également tout ce qui est les opérations et le fonctionnement du ministère, les opérations extérieures et intérieures et le fonctionnement du ministère pour arriver à faire ça. Alors, il est intéressant de voir un peu la place du ministère de la Défense pour avoir une idée de ce que ça représente au niveau interministériel. Ça représente en gros, alors c'est si on compte très, très large, l'ensemble des personnels qui touchent de près ou de loin à des problématiques de type traitement de l'information et des communications. C'est en gros 20 000 personnes, on va dire, au sein du ministère. Et si on rajoute un peu tous les différents budgets d'investissement à droite et à gauche, on arrive à un petit 1,5 milliard d'euros annuels de dépenses, c'est-à-dire en gros la moitié des personnels interministériels et la moitié des dépenses de l'État. Donc ça veut dire que le ministère de la Défense joue un certain rôle, donc pas un rôle majoritaire, mais il pèse quand même pour moitié par rapport à l'ensemble des autres ministères en matière de politique des systèmes d'information et surtout d'exécution après, de mise en œuvre des différents systèmes d'information. Alors,
ce qui est important de voir, là, cette planche n'est pas originale, mais en fait, comme la mise en œuvre des systèmes d'information, ça passe par le trépied classique, ou le triptyque classique, gouvernance, et puis après, en franglais, le build et le RAN. Donc la gouvernance, je vais y revenir après, c'est très important pour voir comment, d'abord quelle est la stratégie, et après comment on va la mettre en œuvre, et comment elle va se décliner, cette fameuse stratégie, et elle va se décliner en un certain nombre d'actions qu'il va falloir faire, d'où après l'ingénierie d'un certain nombre de systèmes qu'il va falloir concevoir, réaliser, donc ça c'est le build, et puis évidemment ces systèmes, ils sont destinés après à être utilisés, d'où le RAN. Il est clair que ça, c'est pas simplement un schéma séquentiel, c'est que l'ingénierie et l'exploitation permettent en même temps de, éventuellement, apporter un certain nombre de modifications sous la gouvernance. Donc c'est tout un cycle avec différentes périodicités qui est mise en œuvre à ce niveau-là. Au sein du ministère de la Défense, on va y revenir après, on a évidemment le même triptyque, et ce triptyque, il s'inscrit dans la démarche interministérielle. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en très, très peu de planches, c'est quelle est la gouvernance au niveau interministériel, puis la gouvernance ministérielle, comment elle s'inscrit dans la gouvernance interministérielle, et puis après on va décliner de la gouvernance, on va voir comment on va vers l'architecture des systèmes d'information. Alors au niveau interministériel, vous avez donc un secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, et ce qui est intéressant pour l'éthique, c'est la case en bas à droite, donc c'est la DINSIC, la direction interministérielle du numérique, et du système d'information et de communication de l'État, avec de nouvelles responsabilités qui ont été données récemment, un certain nombre de décrets qui sont parus il y a quelques mois, enfin la dernière, et puis qui ont changé un petit peu le rôle de la DINSIC par rapport aux autres ministères, en particulier en termes de gouvernance et de mise en œuvre beaucoup plus directive d'un certain nombre de décisions que peut prendre la DINSIC. Alors la DINSIC elle-même, elle est organisée avec, ce qui est important, avec deux missions et surtout avec un service à compétence nationale qui est le RIE, donc qui met en œuvre le réseau interministériel de l'État, qui va devenir entre guillemets une contrainte d'infrastructure pour l'ensemble des différents systèmes d'information qui, à terme, donc plus ou moins long terme ou plus ou moins court, moyen, long terme selon les ministères, vont converger vers cette infrastructure pour un certain nombre d'usages. Alors il est intéressant de voir que cette gouvernance générale, donc elle existe depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'on a pu voir sur les décrets, puisque le décret en fait, le décret de la DINSIC, enfin avant ça s'appelait la DISIC, donc c'est 2012, mais il y a eu un changement en 2015 avec un rôle beaucoup plus, avec une gouvernance beaucoup plus forte depuis un an pour arriver justement à faire progresser beaucoup plus rapidement la transformation numérique de l'État et donc des ministères au sein de l'État. Alors ça, c'était le niveau interministériel. Vous avez un certain nombre de documents, évidemment, qui mettent en œuvre cette stratégie. Donc, un cadre stratégique qui donne la politique générale. Après, vous avez donc un volet numérique de la politique ministérielle de modernisation et de simplification. Et vous avez, ministère par ministère, un certain nombre de bilatérales qui permettent de voir comment on met en œuvre, au fur et à mesure des mois et des années, la stratégie. Donc, des bilatérales qui ont lieu entre la DINSIC et le ministère de la Défense. Au sein du ministère de la Défense, la gouvernance elle va se décliner de la manière suivante, un peu par analogie, avec d'une part une politique générale, qui va être la politique du système d'information du MINDEF. Après, vous allez avoir une feuille de route qui va donner les principaux jalons et en gros les principaux rendez-vous de la trajectoire. Et puis, de la même manière, on va avoir un suivi donc dans un certain nombre de réunions qui sont présidées au niveau du ministre, avec une partie plus technique et une partie donc de vision d'ensemble de la mise en œuvre des systèmes d'information au sein du ministère. Donc on retrouve vraiment l'analogie de ce qu'il y a au niveau interministériel, on retrouve au niveau du ministère de la Défense, ce qui permet en fait d'aligner les gouvernances de l'un sur l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait en termes de systèmes d'information ? Bon, on utilise tous couramment le terme d'urbanisation. En fait, on a une certaine vision générale et après on est organisé par grandes fonctions. Et l'objectif, c'est au niveau du système d'information avec un grand S de développer les différentes méthodes et les différents outils qui vont permettre justement de mettre en œuvre ces différentes fonctions. Donc il y a un certain nombre de projets de différents systèmes informatiques ou systèmes d'information qui vont permettre de travailler sur ces différentes fonctions et l'objectif, c'est pas d'avoir un énorme système d'information monolithique, mais c'est d'avoir une vision générale qui permet de mettre en cohérence l'ensemble de ces différents systèmes qui mettent en œuvre un certain nombre de fonctions.
Donc, à côté de la vision générale, on a évidemment des projets qui sont lancés, un portefeuille de projets, une vision au cours du temps de ce portefeuille de projets. On a évidemment une situation actuelle, une situation visée. Et ce qu'on veut, c'est travailler sur une trajectoire qui permet d'aller de tout ce qui existe avec éventuellement un certain nombre de systèmes hérités qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la gouvernance qui était prévue. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est petit à petit aller, et c'est ça tout l'objectif de la transformation, c'est petit à petit aller vers la vision et aller en gros vers une cohérence bien meilleure de l'ensemble des systèmes. Alors, pourquoi on recherche une cohérence? C'est pas simplement un délire d'ingénieur, c'est surtout, en fait, pour rechercher d'une part une efficience, une augmentation de la productivité et de la performance, si on veut, et puis également une efficience économique, puisque ça permettra après d'avoir une maîtrise bien meilleure de l'ensemble des coûts, donc des coûts d'investissement, mais surtout des coûts réguliers de maintenance. Alors tout ça, ça s'appuie sur un premier outil, ce qui s'appelle le POS, donc, qui permet en gros de définir au niveau le plus bas, voire donc au niveau technique, mais également au niveau applicatif et au niveau fonctionnel, ce que l'on recherche. Donc c'est le plan d'occupation des sols. Alors la gouvernance au niveau du ministère, je ne vais pas rentrer, je suis obligé de montrer un certain nombre de planches, hein, parce que de toute façon je suis payé pour ça, mais le but c'est pas de rentrer dans un anagramme, c'est simplement de montrer qu'effectivement la gouvernance existe et est bien organisée. Donc au niveau du ministère, vous avez trois grands subordonnés du ministre, et vous avez à gauche le DGSIC, le directeur général des systèmes d'information et de communication, qui est en charge de mettre en œuvre la gouvernance. Donc c'est une petite équipe qui est vraiment là pour définir la stratégie et voir comment on la met en œuvre. Le DGSIC répond aux différents ministres, et organise les différentes réunions au niveau du ministère pour voir si la gouvernance avance, si on suit bien la trajectoire qui est prévue. Et par contre, les trois grands subordonnés, donc CEMA, SGA, DGA, c'est eux qui vont mettre en œuvre l'ensemble des actions dans leur domaine précis, donc que ce soit les armées, le secrétariat ou la délégation générale pour l'armement, donc les programmes d'armement, qui vont mettre en œuvre un certain nombre de projets pour justement construire tout ce qui nous intéresse. Juste pour la petite histoire, donc la DGA à droite, c'est là où on conduit les grands projets. Donc l'état-major EMA à gauche, c'est là où vous avez les différentes, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, et c'est là où en particulier se trouve la DRISI dont je fais partie, qui met en œuvre les systèmes. Donc pour simplifier, parce que c'est pas tout à fait ça, mais pour simplifier, la majorité du build se fait au niveau de la DGA, la majorité du RAN se fait au niveau de l'EMA. Le SGA, donc, c'est comme tous les secrétaires généraux dans l'ensemble des ministères, est en charge d'un certain nombre d'activités administratives, mais on y retrouve également justement un certain nombre de systèmes d'information qui sont là pour le fonctionnement interne du ministère, comme la paye et toutes ces différentes fonctions régaliennes qui font fonctionner un ministère. Alors j'ai repris le même triptyque. Et en fait, sans entrer dans le détail, on peut voir les différents acteurs qui interviennent sur les trois triptyques, donc gouvernance, développement, utilisation. Donc c'est échantillé, hein, l'objectif c'est pas non plus de détailler, mais c'est un peu pour voir comment. Ce qui est important, c'est que chacun sache au sein du ministère qui fait quoi. Et en fait, on a, parmi les trois grands subordonnés que j'ai signalés précédemment, on a au sein de chaque principale entité, on a des services qui sont en charge soit de la gouvernance, soit du développement, soit de la partie exploitation et utilisation. Et les rôles sont bien définis et ça permet justement de bien savoir qui doit faire quoi. Par ailleurs, on a au niveau du ministère une distinction entre les différentes typologies de systèmes d'information. On a ceux qui sont plus axés sur les aspects opération, on va dire, ceux qui sont plus axés sur les aspects administration générale et ceux qui sont axés sur la partie scientifique et technique, donc tous les aspects d'évaluation et d'essai qui sont faits au sein du ministère. Alors, la gouvernance, donc c'est une vision générale, on a des objectifs généraux, et après on a un certain nombre de schémas directeurs qui permettent de mettre en œuvre cette gouvernance. Les schémas directeurs vont être définis au niveau des métiers, et en même temps on a un suivi de toutes les évolutions technologiques. Au niveau des métiers, ça va se baser sur une décomposition fonctionnelle de l'ensemble des activités fonctionnelles qu'il faut faire au sein du ministère. Alors, je vais y revenir juste après, et donc au niveau du plan d'occupation des sols qui essaye de voir globalement tout ce qu'il y a à faire en termes d'application, en termes de fonction métier, on va avoir un certain nombre de zones fonctionnelles qui vont être définies. Donc
on est de l'ordre de 2 ou 3 dizaines. Donc chaque ZF, chaque zone fonctionnelle, va être après décomposée en quartier fonctionnel, puis en bloc fonctionnel. Et cette vision en fait récursive de la gouvernance va après permettre de mieux comprendre ce qu'il va falloir faire bloc par bloc, quartier par quartier, zone par zone. Et après, on va faire le lien entre cette vision en fait, en termes de schéma directeur, cette vision fonctionnelle, et les différentes applications et les différents systèmes. Donc en fait, on fait le lien, comme on fait classiquement en ingénierie système ou en ingénierie logicielle, entre l'architecture fonctionnelle, l'architecture physique et l'architecture plus applicative. J'ai pas mis les bouches que je voulais dans le bon ordre, c'est pas grave. J'y reviendrai après. Donc justement, l'outil de gouvernance de base, c'est le plan d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols, c'est lui qui va définir fonctionnellement ce qu'on veut faire. Donc il identifie un certain nombre de fonctions principales, les services associés, et il permet de définir après la cohérence entre, alors d'une part, on regarde s'il y a exhaustivité par rapport à l'ensemble des fonctions qu'on va réaliser, et après il permet de voir s'il y a une complétude au niveau des systèmes d'information qui permettent de mettre en œuvre ces différentes fonctions. Alors à titre d'exemple, voilà le plan d'occupation des sols actuel au sein du ministère. Donc on voit qu'il y a, à peu près une petite vingtaine de zones fonctionnelles. Si on les regarde, on voit qu'il y en a certaines qui sont orientées sur des visions un peu plus opérationnelles comme le renseignement, l'entraînement des forces, la logistique, etc. Il y en a d'autres qui sont purement liées à de l'administration. Par exemple, vous avez les achats publics, les ressources humaines, le juridique, etc. Et puis vous avez, par exemple, en bas, le socle d'infrastructure. C'est lui qui va permettre de voir ce qu'il faut faire en termes de gouvernance générale, en termes, par exemple, de réseau d'infrastructure, pour arriver à faire fonctionner le ministère, tant en interne qu'en externe. Donc je vous rappelle le ministère de la Défense, on le sait bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe depuis quelques années. Donc le ministère de la Défense, qui a un ministère un peu particulier dans la mesure où effectivement il fait intervenir des personnels un peu partout dans le monde. Donc pour arriver à faire intervenir des forces à droite et à gauche, il faut également leur apporter un certain nombre de systèmes, donc des systèmes qui leur permettent d'accomplir leur mission, mais également un certain nombre de systèmes qui permettent de les soutenir. Parce qu'une chose toute bête, c'est qu'un soldat qui est en opération quelque part, par exemple au Mali ou en République centrale africaine, eh bien, il faut le payer, il faut le suivre sa mission, il faut le vêtir. Donc toutes ces fonctions-là, il faut également accompagner les différentes forces qui sont projetées pour pouvoir assurer ces différentes fonctions d'administration générale. Donc l'objectif, ça va être, dans cette vision générale fonctionnelle, de voir comment, d'un point de vue applicatif et d'un point de vue physique, on peut définir et après mettre en œuvre un certain nombre de systèmes qui permettent justement d'assurer ces différentes fonctions. Alors au niveau de ce plan d'occupation des sols, vous avez la même démarche, je vais la montrer après, au niveau interministériel. Donc au niveau ministériel, donc ça définit une architecture fonctionnelle. Pour chacun des blocs, vous avez évidemment un responsable qui est défini, donc un responsable de la zone fonctionnelle. Ce responsable de la zone fonctionnelle fait partie d'un service, ce qui fait que dans les 3 grands services du ministère, on sait qui est en charge de quoi. Alors après, vous pouvez avoir des contributeurs, mais vous avez à chaque fois un service qui est en charge d'un des blocs, et au sein de ce service, vous avez un responsable qui est en charge de définir le schéma directeur, donc où on veut aller pour cette zone-là. Où on en est aujourd'hui, et comment on va aller du Aziz, comme on dit en anglais, au to be, donc de ce qui existe à ce qu'on souhaite avoir. Alors voilà juste un exemple, donc des exemples avec des planches qui datent un peu, puis comme ça m'évite, comme en plus on est filmé, donc ça m'évite de donner des informations très confidentielles. Donc là c'est typiquement sur la zone fonctionnelle santé, donc vous voyez que vous avez un certain nombre de quartiers fonctionnels. Donc par exemple, gouvernance et pilotage économique et financier, activité hospitalière, soutien santé des forces. Donc ça, ce sont les grands pavés jaunes. Au sein des pavés jaunes, vous avez encore des blocs qui vont être les blocs fonctionnels, donc qui définissent en gros fonction, sous-fonction, sous-sous-fonction. Après, on s'arrête à ce niveau-là, parce que ça ne servira à rien après de faire des milliers de schémas directeurs. Au contraire, quelquefois, le détail est bien pire que la trop grande généralité. Donc on a vu que ces 3 niveaux étaient les 3 niveaux qui étaient utiles pour arriver à faire avancer. Alors cette démarche, elle ne s'est pas faite en une fois. Hein. Donc c'est une démarche qui progressivement s'est déroulée en un certain nombre d'années. On peut dire que grosso modo, en 10-15 ans, c'est à peu près, on est arrivé à ce niveau de démarche.
démarche opérationnelle où on a effectivement des schémas directeurs qui se déclinent et qui permettent d'élaborer des trajectoires et qui permettent effectivement de réaliser, de suivre l'exécution et la réalisation, puis après l'utilisation, le déploiement et l'utilisation d'un certain nombre de systèmes. Donc la démarche aujourd'hui, elle tourne et c'est petit à petit où on est arrivé à ces ordres de grandeur de décomposition. Alors, donc là, on est purement en vision fonctionnelle. À partir de chacun des blocs, donc des zones fonctionnelles, quartiers fonctionnels, blocs fonctionnels, on regarde ce qui existe, quels sont les systèmes qui existent à un moment donné. Et puis après, ce qu'on fait, c'est on se dit où est-ce qu'on veut aller et on voit comment on peut aller sur cette trajectoire. Donc là, j'ai pris des vieilles planches. Mais ça permet de montrer un petit peu comment on veut envisager sur plusieurs années une rationalisation de l'ensemble des systèmes d'information. Donc ça permet d'avoir une vue progressive de la transformation. Alors là, c'est au sein d'une zone fonctionnelle et donc l'ensemble est fait pour les différentes zones fonctionnelles. Associé à ces différentes démarches, vous avez les risques, vous avez les coûts, vous avez donc ça vous permet après de faire une programmation des différentes évolutions. Donc soit on décommissionne les systèmes, donc on a un objectif de décommissionnement d'un certain nombre de systèmes, soit on fait évoluer des systèmes anciens, ou soit on fait de nouveaux systèmes. Alors tout ça, ça paraît très simple, c'est très simple sur du slideware, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, et ce qu'il faut, c'est suivre en permanence l'application de ces différentes directives. Donc comme dans toute grande entreprise, on peut voir le ministère de la Défense comme une entreprise, vous avez bien vu, il y a beaucoup de personnel, il y a quand même un investissement important. Donc, il n'est pas toujours facile de mettre ça en œuvre. Et c'est pour ça que ça se décline sur un certain nombre d'années. Les transitions se font en général sur 3, 4, 5 ans, avec des suivis en termes d'indicateurs de tout ce qui est décommissionné, des nouveaux systèmes, des systèmes qui sont mis à hauteur, et puis également les retards ou les avancées qu'il peut y avoir par rapport aux différentes trajectoires. Donc sur une base annuelle, on peut remettre à jour ces différentes trajectoires. Ce qui est important, c'est d'arriver vraiment à suivre le triptyque gouvernance, ingénierie et exécution pour justement arriver à faire vivre l'ensemble de cet outil. Alors ça, c'est toute cette gouvernance, c'est intéressant, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le ministère de la Défense, contrairement à ce que certains croient, on n'est pas dans les films des années 60, gardez-vous Rocco, petit doigt sur la couture, c'est on vit dans une société qui avance, qui bouge très vite, et les gens qui sont au sein du ministère de la Défense sont comme les autres, donc il y a un certain nombre de contraintes. Donc effectivement, au sein du ministère de la Défense, on a des exigences de souveraineté et de sécurité, la dernière ligne, qui quelquefois ont tendance à imposer un certain nombre de contraintes technologiques ou même des contraintes d'emploi sur les systèmes. Mais en fait, on peut pas non plus, et c'est ce qu'on voit vraiment dans la vie de tous les jours, on peut pas, il faut arriver à faire le compromis entre ces exigences et puis le fait que chacun chez lui a un certain nombre de systèmes, il a des smartphones, il a l'habitude d'avoir son PC à la maison avec un certain nombre d'outils. Donc on peut pas se permettre non plus d'avoir un décalage trop important entre ce que le chef personnel pourrait avoir chez lui et ce qu'il a après au travail. Et ça, c'est un contexte sociétal qui se fait de plus en plus prégnant, en particulier ces dernières années, et qui fait que la transformation numérique est vraiment devenue un enjeu critique. Dans les années 90 ou au début des années 2000, c'était plus facile de faire une transformation, disons, à pas lent, en essayant d'optimiser les aspects fonctionnels. Aujourd'hui, on est quand même très poussé par la technologie. Et il y a typiquement la mobilité, c'est quelque chose qui est devenu très important. Quasiment tout le monde a un smartphone, tout le monde a des applis sur son smartphone. Donc il a fallu prendre en compte ce type d'habitude pour les mettre dans une certaine manière, tout en satisfaisant les principales exigences de sécurité. Il a fallu quand même s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc ça, c'est un défi permanent. Et en fait, c'est intéressant parce que maintenant on va regarder d'un point de vue ingénieur, donc les contraintes qu'on a eues, la vision générale qu'on a eue, c'est ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, n'importe quel personnel du ministère de la Défense, eh bien, ait en gros le même outil, qu'il soit chez lui, enfin qu'il soit en métropole, dans son bureau ou dans sa caserne, et quand il est projeté quelque part. Donc la vision de la transformation un petit peu, c'est d'avoir une continuité des outils. Depuis la métropole, donc environnement de travail normal, on va dire, y compris continuité jusqu'à une projection, que ce soit en Outre-mer ou que ce soit sur des théâtres extérieurs.
Et en fait, ça se comprend bien, parce que ce qu'on veut, c'est que le personnel se concentre sur les missions à valeur ajoutée et qui ne sont pas d'apprendre à utiliser tel ou tel logiciel. Mais en fait, d'un point de vue, après conception et réalisation, c'est un vrai défi, parce que d'abord, on ne peut pas faire quelque chose de trop monolithique, parce que ça ne marche pas. Il faut voir, juste pour avoir une idée, les forces françaises, il y en a évidemment en métropole, il y en a en France, c'est-à-dire partout en Outre-mer. Donc l'Outre-mer, ça fait le tour du monde. Ça va les Antilles, la Guyane, après Papeete, enfin la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion. Donc on vient de faire là, et puis on revient en métropole, on vient de faire rapidement là le tour du globe. Donc vous voyez que ça fait pas mal, ça fait des contraintes en même temps géographiques pour ceux qui sont allés par exemple en Nouvelle-Calédonie. Les contraintes d'infrastructure et puis les contraintes de liaison avec la métropole ne sont pas les mêmes par exemple qu'on peut avoir entre des départements de métropole ou avec d'autres territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer. Par ailleurs, on a un certain nombre de forces prépositionnées, donc que ce soit les EAU, que ce soit dans certaines zones en Afrique. Là, c'est pareil, on a un certain nombre, disons, le niveau d'infrastructure n'est pas le même que celui qu'on a typiquement en métropole. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à tenir compte de cette hétérogénéité des infrastructures existantes, hétérogénéité des moyens également au niveau de toutes les couches OSI, donc de transmission, communication, etc. Et arriver quand même à délivrer, à fournir un service pour les différentes fonctions que j'ai signalées précédemment, quelle que soit en fait la localisation des personnels qui vont y avoir accès. Alors pour ça, une architecture générale, pas très originale, mais une architecture générale a été définie, donc une architecture système, du système, une architecture on va dire du système d'information du ministère, avec donc un bloc de couches de transmission, donc une infrastructure on va dire qui va depuis des transmissions transport fixe jusqu'à des liaisons de communication qui soient HF ou satellite, donc c'est la couche verte, et puis au-dessus une architecture organisée par couche en termes de services, avec des services communs, donc c'est ce qui est en bleu, en vert clair, et puis on va mettre dessus un certain nombre d'applications métiers. Alors là, c'est intéressant parce que ça paraît tellement évident pour ceux qui ont l'habitude des SOA, des architectures des services, mais en fait, il faut bien voir qu'on part d'une situation héritée de toutes les décennies précédentes, avec tout un ensemble de systèmes qui ont été développés en silos verticaux, c'est-à-dire avant les applications, ce qui aujourd'hui est une application métier, là, sur ce dessin, eh bien, c'était en gros une ligne verticale qui incluait des services, etc. Pour donner juste un exemple, il y a quelques années, il y avait plusieurs dizaines de messageries diverses et variées. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave. Bah oui, mais on voit la messagerie à chaque fois, c'est du MCO, c'est la maintenance, c'est les évolutions. Donc c'est des coûts directs, des coûts indirects. Et en fait, ça commence à peser très lourdement petit à petit sur les budgets. Et surtout, ça grève les budgets d'investissement. Donc c'est pour ça que cette démarche globale de transformation a été vraiment prise avec beaucoup de sérieux au début des années 2000 pour arriver à réduire globalement. Alors l'objectif, ce n'était pas de réduire les coûts, c'était vraiment d'optimiser beaucoup mieux la part entre les coûts récurrents et l'investissement qu'on pouvait faire. Ensuite, il faut aussi voir, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une transformation sociétale où les gens ont de plus en plus l'habitude de la mobilité. Donc il faut fournir des services de mobilité générale et une exigence de sécurité, donc des portails d'accès divers et variés où on peut accéder aux différentes fonctions auxquelles on peut avoir droit avec les couches de sécurité qui vont bien. Des couches de sécurité qui peuvent être de plus en plus contraignantes, on va dire, en fonction du niveau d'information qu'on peut avoir. Donc on va de simples couches d'authentification avec des cryptages légers à des couches d'authentification avec des cryptages un peu plus lourds, voire après à des réseaux qui sont complètement physiquement séparés, etc., etc. Et dans des enceintes en plus séparées, etc., etc. Et on arrive vers un grand programme d'armement qui a été lancé donc dans les années 2010, donc avec toute une genèse. Genèse en gros entre 2005 et puis 2010, c'est le SIA, donc le système d'information des armées. Alors il prend le relais de tout un tas de démarches hein, depuis en gros une vingtaine d'années derrière qui petit à petit ont amené à une convergence, mais le SIA, donc le système d'information des armées, c'est vraiment
un grand programme d'armement qui était là, donc un des vecteurs, le vecteur principal, dirais-je, de la transformation du ministère, c'est le système d'information qui doit justement illustrer cette vision cette vision seamless, comme on dit en anglais, donc sans couture, du bureau jusque à n'importe quel théâtre projeté ou n'importe quel navire qui est en train de croiser sur les différents océans. Donc on veut vraiment fournir à tout le monde, qu'on soit en métropole, en outre-mer, sur un théâtre, dans un bateau, dans un navire, etc., un certain nombre de services communs. Et ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait le même type de service commun. Et on n'ait pas 50 systèmes différents selon l'endroit où on est. Alors vous imaginez bien que tout ça, ça ne s'est pas fait non plus en une journée. Et donc on est actuellement, je vais le montrer dans quelques planches, on est en cours de déploiement. Il y a énormément de travail qui a été fait, mais il reste encore un certain chemin à parcourir. Alors, la vision générale de ce système d'information des armées s'inscrit tout à fait dans le schéma d'entreprise que j'ai montré avant, donc avec une couche de transport, et puis après des services communs et un certain nombre de briques applicatives qui se pluguent sur ce système-là. Donc ces couches, ces services communs, donc là on est vraiment dans une architecture tout à fait standard de OSI. Donc après, ce qu'il a fallu définir, et ça j'ai pas mis de planche dessus, parce que bon, ça, c'est les travaux de cohérence des différentes opérations, c'est comment je pars des programmes d'aujourd'hui, des systèmes existants aujourd'hui, pour aller vers cette vision-là. Donc c'est tout ce schéma-là, en gros, se déroule de 2008 à 2020. Il y a une grande partie qui est faite aujourd'hui, en 2016, et il reste encore un ou deux rendez-vous majeurs, donc il y en a un qui est franchi là en ce moment, et il y a un autre rendez-vous majeur d'ici 2020 qui va permettre d'assurer cette convergence globale de l'ensemble des systèmes vers cette vision d'une architecture, enfin, d'un système cohérent pour l'ensemble des utilisateurs. Alors en plus, au niveau de l'architecture plus physique, ce qu'on a voulu faire, c'est s'inscrire également dans les démarches actuelles. On commence à parler presque de cloud. Enfin, tout à l'heure, je vais parler du cloud, mais on va vers des démarches de plus en plus de cloud privé. Donc, avec des services qui sont fournis au niveau des infrastructures, des services qui sont fournis au niveau des plateformes, des services qui sont fournis après au niveau des logiciels, pour essayer de communaliser, de mutualiser au mieux les couches physiques, puis après les couches logicielles, puis enfin les couches applicatives. Pour donner une idée, aujourd'hui, on a fait la partie IaaS. On est en train d'avancer très fortement sur la partie PaaS. Et l'objectif, après, ça va être d'attaquer la partie SaaS. Alors là, bon, c'est un petit détail pour voir ce qu'on vise. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que c'est un peu toute la mise en commun de l'ensemble de ces démarches. Donc, on a une démarche d'entreprise générale pour faire une gouvernance, pour essayer de mettre un peu le ménage, de faire le ménage dans l'ensemble des systèmes d'information. On a eu après, en parallèle, une démarche beaucoup plus en termes d'architecture ou de méta-architecture technique pour essayer de faire un peu le ménage au niveau de l'ensemble des hardware et software, donc des matériels et des logiciels qu'on avait à droite et à gauche dans l'ensemble des armées, directions et services. Et de la même manière, on ne l'a pas non plus fait en un an, ça se décline également sur une petite dizaine d'années, et pour arriver à faire converger vers une vision beaucoup plus homogène en termes de matériel et de logiciel. Ce qui permet du coup de diminuer, par exemple, le nombre de serveurs, ce qui permet de diminuer le nombre de licences logicielles, ce qui du coup permet donc de diminuer les coûts de maintenance, ce qui permet également d'investir, par exemple, sur des data centers beaucoup plus performants une fois qu'on a réussi à réintégrer les différents serveurs isolés dans des visions de type data center, etc. Donc on voit petit à petit les transformations. Transformations très classiques, hein, qui se font dans beaucoup d'entreprises. Mais bon, au niveau d'une entreprise de la taille et, on pourrait presque dire, malheureusement, des ressources financières dont dispose le ministère, parce que plus on a de ressources financières, plus en fait on peut, entre guillemets, faire ce qu'on veut de chaque côté. C'est un peu ça la difficulté, mais aussi plus de choses on a à faire. Donc ça n'a pas toujours été facile au début, de mettre en œuvre cette vision de mise en cohérence, parce que tout un tas de services en fait avaient les moyens de s'acheter leur propre hardware, leur propre software, et ne voyaient pas trop l'intérêt en fait d'être obligé de suivre une gouvernance plus générale. Donc il a fallu leur montrer ce que ça apportait. Il a fallu ensuite, effectivement, mettre en œuvre tout ça pour leur montrer que ce qu'on disait pouvoir leur apporter quelque chose, leur apportait vraiment quelque chose.
Et ce n'était pas toujours évident immédiatement. Donc après, ils ont vu. C'est pour ça que ça a mis un certain nombre d'années. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans la vision, donc la vision du SIA, c'est que le SIA, donc, il essaye d'avoir une vision globale, donc en termes d'architecture, il fournit des services communs, donc les services communs existent. Hein, typiquement, là, le mail que j'ai, vous allez quelque part ailleurs en Outre-mer, ou vous allez sur d'autres systèmes, vous avez le même, vous avez un sous-ensemble des services que j'ai sur mon, sur l'ordinateur ici de bureau que j'ai. Ce qui est intéressant, c'est que dans un environnement très spéciaux, très contraint, par exemple des navires de surface ou un certain nombre de bâtiments de commandement, on peut aussi avoir ce qui s'appelle des SIA box. Donc ça ressemble, c'est comme des blocs de serveurs fermés. Donc il y a les petits qui font un mètre sur 50 cm, et puis il y en a des petites armoires donc, qui intègrent plus ou moins de ressources de calcul, plus ou moins de services. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire au niveau de cette vision générale du système d'information des armées, c'est également de fournir des architectures standards matérielles qui permettaient d'implanter dans des environnements très contraints un certain nombre de services pour faciliter en fait cette utilisation des services communs qu'apportait le système d'information. Si vous allez dans un... Alors c'est difficile à se rendre compte si on n'a pas visité des navires. Quand vous allez dans un navire, un tout petit, une frégate, ça a l'air grand comme ça quand on la voit dans un port, mais enfin quand on rentre à l'intérieur, c'est assez effarant parce que il faut vraiment pas être gros pour circuler entre les... Enfin, tout ce qu'il y a, parce que c'est bourré d'ordinateurs, de systèmes, de tous les niveaux. La moindre frégate, de toute façon, déjà, il faut séparer physiquement tous les réseaux. Donc, il y a une petite frégate qui est simplement destinée, par exemple, à vérifier qu'il n'y a pas de trafic de drogue ou regarder tous les trafics clandestins. Ben, vous avez des systèmes qui vont discuter, ils vont avoir accès à Internet, ils vont discuter par exemple sur des systèmes par contre qui sont classifiés nationaux, ils vont discuter aussi avec éventuellement l'OTAN, avec éventuellement les Américains, selon les zones où ils sont. Donc tout ça, c'est des systèmes différents, donc c'est des ordinateurs différents, donc c'est également des serveurs différents. Il faut aussi, donc vous multipliez tout ça, donc quand on est dans une salle, dans un endroit comme ici, on a une petite salle de serveur. Enfin, maintenant, vous mettez tout ça dans un bateau où, en plus, il y a l'environnement, ça bouge, les chaufferies, etc. Et on arrive à avoir des toutes petites salles qui sont remplies de PC dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il a fallu faire, grâce à CSIA Box, ça permet également d'homogénéiser et donc de rationaliser l'occupation à l'intérieur des navires. Donc c'est toutes ces contraintes-là qu'il a fallu prendre en compte. Et ça facilite en même temps la mise à hauteur d'un certain nombre de systèmes. Quand vous rentrez dans un certain nombre de, disons, dans les bâtiments des grands, le porte-avions c'est pas pareil, mais vous rentrez dans un certain nombre de bateaux qui sont un petit peu plus anciens, vous avez tout un tas de générations qui vivent ensemble au sein du navire. Donc là, l'objectif, c'est également de permettre de passer tout à une génération à peu près commune, ce qui facilitera également après, à terme, le maintien en condition opérationnelle des différents navires. Donc cette démarche, qui est beaucoup plus d'architecture physique, elle a permis, en plus de tout ce qui était prévu en termes de cohérence de l'architecture fonctionnelle qui était, que j'ai explicité un petit peu avant, et permettait également d'avoir une cohérence des architectures physiques au sein des différents, en particulier des différents navires. Donc ça, on est en train de le faire. Donc on a commencé, on a trois phases principales. On est en train de terminer la première phase de déploiement de ces box, là, comme on les appelle. Ça, on aime bien en informatique prendre des mots anglais, là, même quand tout le monde parle pas anglais. Donc on a des SIA box, ça s'appelle comme ça, ça fait mieux, ça fait moderne, et qui sont déployés dans les différents navires. Le socle technique commun, donc le STCIA, c'est-à-dire socle technique commun interarmé, est actuellement déployé en métropole, est en cours de déploiement en Outre-mer, et il permet aujourd'hui, je l'ai vu de mes yeux, il permet d'avoir le même environnement, qu'on soit ici, qu'on soit à La Réunion, qu'on soit ailleurs, dans les DOM-TOM, et donc ça permet sur les différents niveaux, puisqu'en même temps ça marche sur différents niveaux de confidentialité, ça permet effectivement de voir que l'ensemble de cette démarche actuellement marche. Il est évident que, alors vous avez peut-être vu la presse, mais l'année dernière, donc, le ministère de la Défense a regroupé un certain nombre de services porte de Versailles, donc avec le Pentagone, l'Hexagone, donc le Pentagone à la française, donc appelé également Hexagone,
Et ça a été une démarche fondamentale dans cette transformation, puisque en fait, ça a été pour nous l'occasion d'accélérer, enfin c'était un jalon principal, et ça a permis d'accélérer un peu la transformation, puisqu'on a quand même en tout 20 000 personnes, il y a eu 20 000 déménagements, donc 20 000 déménagements, ça permet, donc en fait il y a 10 000 personnes, mais il y en a qui ont bougé à l'intérieur, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, donc ça a permis en fait de leur donner un nouvel environnement, donc de les faire, puisqu'il y avait un déplacement géographique en même temps, pour la conduite du changement, ben, on a également changé un petit peu leurs habitudes, donc ça a accéléré la conduite du changement. Et d'un côté, au niveau exploitation, ça a facilité les choses, parce que justement, la mise en œuvre de ce socle a permis de faciliter énormément ces déménagements, dans la mesure où ça permettait de beaucoup mieux gérer l'ensemble des allers-retours, gestion de données, gestion également de l'ensemble des mouvements. L'ensemble du déménagement a été fait complètement dans les délais qui étaient impartis. Et c'est en particulier dû à cette... Alors les deux, ça a été en particulier dû à cette mise en œuvre du système d'information des armées. Et du coup, le système d'information des armées a également beaucoup profité de cet énorme déménagement. Et puis dans la mesure où ça a été un révélateur de succès, ça a été beaucoup plus facile pour après passer aux phases suivantes. Typiquement, c'est plus facile maintenant pour déployer en Outre-mer, c'est plus facile pour déployer dans tout un tas de sites plus isolés, dans la mesure où la démonstration de la faisabilité et du succès de la chose sur l'Hexagone, ça permet de motiver ou tout au moins d'enlever les freins que pouvaient avoir certains. Donc l'objectif, c'est d'aller maintenant vers un cloud, donc un cloud privé de la défense avec un ensemble de services donc, qui sont utilisés par tout le monde, un certain nombre d'infrastructures qui sont au service de tout le monde, des infrastructures qui peuvent être localisées dans divers endroits, mais qui sont regroupées, qui sont concentrées en plusieurs endroits pour avoir des plans de continuité, des plans de reprise après incident, etc. Et surtout, qui permettent également de tenir compte des différentes contraintes d'accès qu'il peut y avoir en fonction des zones où on se trouve. Comme je disais, selon les territoires ou départements, on n'a pas tout à fait les mêmes, on n'a pas accès forcément aux mêmes câbles sous-marins, on n'a pas accès aux mêmes débits, etc. Tout ce qui nous paraît naturel ici, quand on est en métropole, j'allais dire à Paris, mais c'est pas bien, mais en métropole, où on a accès à des données, ou même si on n'a pas la 4G, on a au moins la 3G, on n'a pas forcément ça partout, et on s'aperçoit que les contraintes d'acheminement de l'information peuvent devenir, en certains endroits, assez critiques, et donc il faut trouver d'autres solutions. Alors évidemment, on a toujours, en cas d'urgence, on a toujours des recours à des liaisons satellites, etc., ou à d'autres types de liaisons, mais enfin, ça coûte cher. Et l'argument financier devient très important quand vous avez une élongation sur l'ensemble de la planète avec beaucoup de gens. Donc on peut pas se permettre en fait de recourir à tous les moyens qui existent technologiquement, d'où l'importance également d'homogénéiser et de rationaliser l'ensemble de ces besoins. Ce qui est intéressant, outre la vision sans couture, donc du bureau, je simplifie, je caricature, du bureau au théâtre projeté, c'est également la vision sur l'ensemble des forces, c'est-à-dire en gros, de manière verticale, du centre stratégique de commandement jusque aux combattants débarqués. On voudrait également avoir, pas forcément, évidemment pas la même information, parce que tout le monde n'a pas besoin de la même information, mais de la même manière, une continuité des systèmes. Il y a quelques années, en fait, à chaque niveau de décision, chacun devait avoir le système pour parler à son chef et le système pour parler à ses subordonnés. Ce qui complique un petit peu, ça fait de la double saisie, des choses comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un ensemble de systèmes qui, naturellement, s'intègrent dans une vision générale, ce qui fait que l'utilisateur n'a pas besoin de refaire plusieurs saisies de données. Ça paraît de la même manière évident. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez un système qui est inclus, par exemple, dans un véhicule ou dans un hélicoptère, vous n'allez pas forcément le remettre à jour systématiquement de la même manière, parce que c'est fait par des industriels différents, etc. Donc tout ça, c'est une démarche qui doit être orchestrée et qui va se dérouler sur un certain nombre d'années aussi. Donc il a fallu gérer. Et c'est pas encore fini, mais ça a pas mal avancé, mais il faut gérer toute cette complexité. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une notion de système, avec des systèmes qui sont opérés indépendamment, qui sont managés indépendamment, et qui, globalement, essayent d'être mis en cohérence pour arriver à une vision commune. Donc l'objectif du ministère de la Défense, c'est de construire progressivement un cloud, avec évidemment un cloud avec différents niveaux de confidentialité. Donc on a...
la partie qui est complètement ouverte sur Internet, mais elle ne nous intéresse pas, celle-là, à la limite, puisqu'on a très peu de choses qui sont dessus. Donc ça, c'est simplement l'ouverture vers le monde extérieur. Après, vous avez, par exemple, le niveau de travail qui est ici, enfin, qui est sur ce poste-là, c'est ce qu'on appelle la diffusion restreinte, donc c'est un intranet avec une couche d'authentification et une petite couche de protection. Après, vous avez évidemment un certain nombre de niveaux de confidentialité qui sont beaucoup plus élevés, parce qu'en plus, ils s'engagent pénalement également les utilisateurs, donc c'est plus la même chose. Séparation physique des choses, mais l'objectif, c'est de la même manière, c'est d'avoir les mêmes services. Alors évidemment, ils vont être dupliqués parce que les infrastructures sont nécessairement séparées, mais en fait, ce vont être les mêmes services suivant les niveaux de confidentialité. Alors ça aussi, il a fallu le faire avec, là vous voyez par exemple, tous les principes de mise à jour. On peut faire de la mise à jour automatique sur un système qui peut se connecter ou qui est facile à connecter, sur un système qui est isolé, ou des systèmes qui sont isolés physiquement. La mise à jour demande également des processus adaptés. Parce qu'on n'a pas non plus des milliers de personnels qui peuvent faire ça à longueur de journée. Donc il faut trouver, c'est la démarche, elle doit s'outiller en termes d'outils, process et méthodes. Alors trois grands chantiers qui ont été réalisés. D'abord au niveau physique, une rationalisation des centres d'hébergement interne. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, où on partait d'un historique avec des serveurs partout, en gros, dans chaque site, et encore quand je dis dans chaque site, c'est dans chaque bâtiment de chaque site. Enfin, c'est pareil, vous avez, c'est la démarche qu'il y avait également dans les différentes facs, hein, où chaque labo à chaque étage avait tous ses propres matériels, et petit à petit, on a essayé de tout mettre ensemble. Là, c'était exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de data centers, on a un nombre de data centers beaucoup plus réduit, avec des data centers principaux, des data centers qui assurent après la reprise en cas d'un incident. Et donc ça, c'était un défi technique, ça c'est clair, puisqu'il a fallu construire des data centers, en plus efficients d'un point de vue développement durable, on en a profité, mais également un défi organisationnel, parce qu'il a fallu changer les habitudes, et puis également mettre en place tous ces niveaux, toutes ces nouvelles manières de travailler. Un deuxième chantier qui était après sur les services communs, donc déployer un certain nombre de services communs pour l'ensemble des usagers, ce qui a amené également, en termes de conduite du changement, à faire évoluer certains usages. Ça, pareil, on a tous l'habitude, quand on a l'habitude d'un mailer ou d'un navigateur, quand on change de navigateur ou de messagerie, on trouve toujours que la précédente était mieux, jusqu'au moment où on nous dit de rechanger, à ce moment-là, on retrouve que c'est la nouvelle qui finalement était pas plus mal, etc. Donc cette conduite du changement est assez difficile. Et l'intérêt, c'est de construire l'ensemble des services pour le cloud privé pour justement arriver à mettre à hauteur et à mettre en condition de sécurité de manière systématique l'ensemble de l'infrastructure qui est au service des utilisateurs. Et enfin, un très grand chantier qui est une ouverture au cas par cas vers l'extérieur, parce qu'on discute frontièrement avec l'extérieur, donc avec le monde Internet, ou tout au moins le monde Internet sert via des passerelles, sert de moyen de communication, que ce soit avec l'interministériel, que ce soit également avec l'Union Européenne, avec l'OTAN, on peut avoir des liaisons dédiées, mais on peut aussi passer par des liaisons, par des liaisons ouvertes, évidemment, avec des modes de protection de l'information. Mais en fait, il faut donc être capable de gérer l'ensemble de ces passerelles. Donc c'est une ouverture au cas par cas, avec des mises en œuvre de sécurité importantes au niveau de ces passerelles-là. Là aussi, il faut faire attention, enfin, il a fallu définir une architecture de ces différentes passerelles pour éviter d'avoir une multiplication de ces différentes passerelles, pour éviter après d'avoir des trous de sécurité par une hétérogénéité trop forte de l'ensemble de ces de points de passage. Donc ça, tout ça, ça a amené à construire au niveau du ministère de la Défense un opérateur. Donc l'opérateur, c'est la fameuse DIRISI, la Direction Interarmée des Réseaux d'Infrastructures et de Systèmes d'Information, donc qui a des sites principaux en métropole, mais également en Outre-mer et à l'étranger, donc une dizaine de sites en Outre-mer et à l'étranger. Et l'objectif de la DIRISI, ben, c'est de garantir le bon fonctionnement du ministère et de garantir également le bon fonctionnement des opérations externes ou internes, et typiquement pour les différentes interventions qu'il y a eu en théâtre d'opérations. Donc il y a des personnels de la DIRISI qui sont envoyés pour mettre en œuvre l'ensemble des systèmes d'information et systèmes de communication pour arriver après à faire en sorte que les forces puissent faire leur boulot, c'est-à-dire remplir la mission sur le théâtre d'opérations. Donc l'objectif général, construire le cloud de la défense, une nouvelle efficience, comme on voit avec ce schéma général, donc
On a des interconnexions avec tout un tas d'autres clouds, les clouds interministériels, le RIE qui va servir d'infrastructure et qui peut servir pour que le ministère de la Défense peut utiliser également pour certains usages généraux. Donc on essaye, enfin c'est pas on essaye, c'est le ministère s'inscrit dans la démarche interministérielle de mise en place générale d'un certain nombre d'infrastructures. Donc on utilise les infrastructures quand on peut les utiliser, infrastructures de transport. On utilise également, on rationalise au niveau des matériels, des serveurs. Donc on a un certain nombre de contrats d'achat interministériels. Typiquement, personnellement, je suis en charge de contrats interministériels de certains logiciels. On utilise les contrats interministériels, d'autres contrats interministériels portés par d'autres ministères pour acheter d'autres logiciels. Donc on a une organisation au niveau interministériel pour savoir qui fait quoi dans les différents domaines. Ce qui permet, en même temps, d'homogénéiser. Alors le but, c'est pas de couper toute la tête qui dépasse, mais c'est d'avoir au moins une vision la plus cohérente possible et de plus en plus cohérente de l'ensemble des actions qui sont menées dans les différents ministères. Avec, comme vous voyez, énormément de, donc des adresses IP, énormément d'utilisateurs, etc., etc. Donc en conclusion, si on regarde un peu l'ensemble de la démarche, on s'aperçoit que c'est vraiment une démarche qui part d'une stratégie d'entreprise interministérielle avec une gouvernance interministérielle, qui la décline ensuite vers une gouvernance ministérielle, une stratégie d'entreprise, qui la décline ensuite vers une stratégie d'entreprise, vers une architecture d'entreprise du système d'information des armées, qui est un système de systèmes qui va permettre de mettre en œuvre la gouvernance ou l'architecture d'entreprise ministérielle et interministérielle. Et au sein de ce SIA, vous avez tout un ensemble de grands systèmes d'information qui eux-mêmes s'appuient sur des architectures physiques et applicatives où il y a tout un travail de cohérence, de mise en cohérence de ces différentes architectures. Et en fait, la boucle se boucle, puisque l'objectif, c'est de faire évoluer progressivement la gouvernance. On remonte les niveaux, en fait, donc en fonction des contraintes et en fonction des usages qui se passent. On a des remontées et des évolutions qui vont soit au niveau du système de la force des armées, soit au niveau de la gouvernance ministérielle, soit au niveau de la gouvernance interministérielle. Typiquement aujourd'hui, on fait évoluer la gouvernance interministérielle en termes, par exemple, de téléphonie sécurisée. Donc ça, c'est des réunions qu'on a en ce moment. Donc on voit vraiment c'est la technologie là qui amène en fait à définir une évolution de la politique au niveau interministériel en se basant sur des choses qui ont été faites au niveau ministériel, etc. Donc on a vraiment cette vraie boucle qui est en train de s'achever. Et en conclusion finale, donc, si vous êtes intéressé, il y a un certain nombre d'ouvrages que je vous recommande tout particulièrement et que vous trouvez dans toute bonne librairie. Merci beaucoup et je suis ouvert à vos questions. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, on va peut-être prendre justement quelques questions. Je vais peut-être commencer, je vais essayer de tenter, puisqu'on a parlé, pour moi, on situe un petit peu beaucoup au niveau de la cible. Moi, c'est la trajectoire qui m'intéresse, c'est-à-dire en fait d'où on part, et on part de problématiques qui remontent quand même, on va dire, une quinzaine d'années, si j'ai bien compris, peut-être même plus, avec tous les problèmes qu'on a évoqués, à savoir les problèmes de duplication de données, par exemple, certainement des problèmes de sécurité, d'interopérabilité, enfin bon, etc. Je crois que j'adresse les bons mots-clés. Aucun problème de sécurité, je suis enregistré. Bon, voilà. Donc, ma question, c'est justement un petit peu la démarche initiale et puis la trajectoire, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la cible, elle est évolutive, d'accord? Et aujourd'hui, est-ce que... Donc, l'architecture est bien mise en place, si j'ai bien compris, et quelles sont les perspectives aussi, également, dans les années à venir? Enfin, bon, c'est de l'amélioration, si j'ai bien compris. Donc là, d'abord, les perspectives à court terme, c'est de terminer le déploiement. Donc terminer le déploiement qui est très avancé, mais grosso modo, on est à 60-70%. Donc il reste encore la fin du déploiement, la queue de déploiement à faire. Après, la mise à hauteur au niveau technologique d'un certain nombre de composants, mais ça, c'est maîtrisé entre guillemets. Et puis après, il y a le poste, on va dire, poste 2020 et quelques années. C'est parce que d'abord, personne ne voit dans la boule de cristal. Donc quand il peut y avoir des ruptures technologiques à horizon de 7-8 ans,
Et c'est de les préparer et de se mettre, de s'organiser pour ça. Ensuite, il y a aussi une évolution qu'on voit en permanence, c'est que là pour l'instant, on a un certain nombre de contacts avec des clouds extérieurs, etc. De plus en plus, on s'aperçoit que tout le monde veut communiquer avec tout en permanence. Donc on sent qu'il va falloir travailler sur ces niveaux des points de passage et des interconnexions entre les différents clouds. La notion de cloud privé, je ne suis pas sûr que dans 15 ans, elle ait encore un sens. Il va peut-être falloir trouver d'autres manières de s'y prendre. On a un grand rendez-vous qui est en gros un très gros jalon vers 2024-2025 pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à cette échelle-là. Donc on commence à y réfléchir les uns les autres. Donc aujourd'hui, je dirais, dans les 2-3 ans qui restent, c'est fin du déploiement et puis mise à et suivi de l'évolution technologique, tout ça c'est maîtrisé entre guillemets. C'est bien programmé, donc il n'y a pas, de risque majeur. Par contre, c'est le post-2020 pour justement bien préparer ce qui pourrait se passer post-2025 et pour préparer la nouvelle génération. Parce que là, on s'inscrit. En fait, si on regarde un petit peu, il y a eu, en gros, toute la décennie 90, ça a été des débuts de convergence. Certains ont marché, certains n'ont pas marché, etc. Le début des années 2000 a vu qu'il y avait, alors c'est pas une accélération dans la technologie, mais en fait c'était plus une ubiquité de l'utilisation de ces nouvelles technologies, donc tout le monde les utilisait partout, tout le monde s'est mis à les utiliser partout. Donc il y a eu une accélération en fait de la mise en œuvre, une accélération sur les utilisations, et donc on était obligé de déployer plus rapidement un certain nombre de choses, et c'est là où cette démarche de cohérence a été impacté par les coûts de maintenance, les coûts récurrents qui devenaient très importants. Donc là, on s'inscrit quand même dans toute la réflexion qui a été faite, on va dire, au tournant, autour de 2005, entre 2000 et 2010, en gros, mais autour de 2005. Donc là, on va arriver en 2020, 15 ans après. 15 ans après, c'est une durée de cycle générationnelle pour tout ce qui est les infrastructures, les couches de transport, etc. Donc il faut préparer la suite. J'ai une question et je vous raconte juste une petite anecdote qui figurera à quel point vous avez, les armées ont bougé. Vers 1992-93, j'étais à l'époque journaliste en informatique et il y a une conférence de presse du ministère de l'Air, Robert Victor, qui me raconte qu'il veut faire un système d'échange de DI, on disait à l'époque, d'échange de données informatisées au sein de l'armée de l'air. Ça paraît incroyable. Il se trouve que moi, j'avais eu par ailleurs, quelques mois avant, un autre communiqué me parlant d'un autre système d'échange de données informatisées au sein du ministère de l'air. Donc je demande au général qui m'a expliqué ça, je lui parle de ça, et je lui dis, ça a été fait par tel autre général. Il me dit, je ne connais pas le général. Donc, on peut dire que quand même, ça communique apparemment mieux que le ministère de la Défense. Ma question, c'est quand même, l'OTAN, c'est quand même très important au niveau de l'organisation. Vous en avez mis un petit peu dans les coins, mais pas beaucoup. Effectivement, j'en ai très peu parlé. Donc, quand on a rejoint l'OTAN en décision du président Sarkozy, quand on a rejoint l'OTAN avec tout le commandant, puisqu'on était déjà dans l'OTAN, mais quand on a rejoint complètement, il y a eu un certain nombre de directives qui ont été renforcées. Typiquement du style, pour faire simple, quand il y a un système qui existe au niveau de l'OTAN, on ne va pas réinventer un système et on va utiliser celui de l'OTAN. Donc justement, c'est là où l'outil de la gouvernance a été intéressant, puisque ce qui a été fait, c'est au niveau de l'ensemble du poste, donc du plan d'occupation des sols, zone fonctionnelle, par quartier et par bloc fonctionnel. Il a été regardé quel était éventuellement le système d'information qui pouvait répondre partiellement ou totalement aux objectifs fonctionnels de la zone et qui existait au niveau OTAN. Et ça fait partie des exercices de trajectoire qui ont été faits. C'est-à-dire qu'au niveau de l'existant, il y avait des briques qui pouvaient être nationales, des briques qui pouvaient être de type OTAN, donc étrangères. Et à ce moment-là, elles étaient prises en compte dans le schéma de convergence des différents systèmes. Logistique, il y en a d'autres, etc. Ce qui a entraîné des arrêts de certains systèmes ou des évolutions fortes de certains systèmes pour justement être compatibles et interopérables. Et puis après... converger fortement vers le système autant qui existait.
c'est aussi important pour nous, parce que ça permet, nous, dans ces cas-là, de réaliser un certain nombre de... Enfin, nous, les industriels français, de réaliser un certain nombre de systèmes. Voilà. Contribuer où ? Est-ce que vous contribuez au coût des systèmes de l'OTAN ? Ça n'est pas au pays, forcément. Hein. Donc effectivement, il y a une contribution française, et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'industriels français peuvent aussi gagner des appels d'offres OTAN, et donc ça permet d'avoir un retour dans ces cas-là économiques sur un certain nombre de choses. Le français est une langue officielle, je crois. Oui, tout à fait. Ainsi que l'anglais. Oui. Ça, c'est dû au général de Gaulle. C'était déjà le cas avant, donc c'était bien avant le fait qu'on ait rejoint complètement l'OTAN. Est-ce que vous servez d'exemple à d'autres administrations ? Oui, alors justement au niveau de notre ministère, on discute beaucoup. Il y a des choses où on est leader, entre guillemets, et il y a d'autres domaines sur lesquels ce sont d'autres ministères qui peuvent être leaders, et dans ces cas-là, on les suit. Il est clair que sur l'ensemble de cette démarche, là, on est clairement leader. Présent, oui. Chaque été ou chaque période de vacances, je vous souhaite très ferme, parce que je me trouve dans des zones où les opérateurs nationaux sont complètement inefficaces et sont même très malhonnêtes parce qu'ils engrangent les abonnements par Internet et il n'y a pas de service. Et ce n'est pas qu'une zone comme ça en France, il y a beaucoup de zones. Les maçons lozériens sont assez maltraités, ou les Dromois, les Vauclusiens, les Gardois, le Haut de. Les Hauts des Bouches-du-Rhône, ouais. C'est l'argent que je connais, mais ailleurs c'est pareil, en Normandie, si on n'est pas près d'une ville, on est extrêmement maltraité. Et ce qui se passe, qui est pour moi scandaleux, c'est que si vous n'arrivez pas à vous connecter à temps à Internet pour payer des TVA par exemple, vous avez des amendes. Alors, et c'est pas votre faute, parce que l'administration concernée n'a aucun pouvoir sur les opérateurs qui sont des entreprises privées. Donc là, on sort du domaine de responsabilité hein, de ce qu'est le ministère de la Défense, hein, puisqu'on est sur les fournisseurs de services pour l'ensemble des citoyens. Mais effectivement, ça fait partie, a priori, il y a des engagements déjà sur le service public, hein, puisque les opérateurs civils hein, sont censés avoir des taux de couverture, en particulier les historiques, enfin l'historique, mais également un certain nombre d'autres. Mais effectivement, c'est un gros problème. Donc, je vais revenir maintenant à ce qui m'intéresse ici. Donc, dans le cadre du périmètre de défense, il y a effectivement des zones où on ne peut pas profiter de ce que proposent les opérateurs civils. Et donc, c'est là où il faut trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je montrais le socle d'infrastructure, en fait, on allait depuis les réseaux jusqu'à des fournitures de communication qui pouvaient être HF, satellite, etc. Et on est obligé, nous, ministère de la Défense, pour assurer la pérennité d'un certain nombre de missions, eh bien, d'avoir un recours à d'autres moyens de transport et d'acheminement de l'information. Mais pas besoin d'aller très loin non plus. Moi, j'habite en banlieue parisienne, dans une zone résidentielle. Je vais avoir la fibre l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai pas la fibre. Heureusement, maintenant, j'ai la 3G et puis la 4G pour un opérateur. Mais il y a 10 ans, je n'arrivais pas à téléphoner. Enfin, j'ai soit un endroit particulier de mon jardin pour avoir accès à une couverture de téléphone hein, en edge. Donc, ça, c'est le problème des opérateurs, des couvertures d'opérateurs civils. Mais c'est un autre domaine, donc c'est pour ça, c'est un autre souci. Donc nous, on n'a pas vocation à faire ça, et c'est pour ça qu'on complète, en fait, fonctionnellement, par d'autres moyens de transport de l'information. Vous ne l'évoquez pas du tout, mais tout ce changement technologique et cette évolution, comment est-ce que ça a été géré aussi avec, j'allais dire, les courbes d'âge du personnel que vous avez ? Je trouve pas que ça joue beaucoup. Ce qui joue beaucoup plus, c'est les responsabilités des uns et des autres, en fait. C'est très varié, parce qu'on trouve des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes, pour caricaturer. Donc c'est pas une question d'âge, hein, c'est dans la tête, hein, quelquefois.
Par contre, les habitudes ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même dans un certain nombre de... dans les sphères de direction, il y a des habitudes qui ont été prises et des fois, il faut les changer. C'est ça la difficulté. Comme je disais, un grand changement, et ce qui a vraiment quand même facilité la mise en œuvre, c'est le fameux déménagement qui a eu lieu il y a 2 ans sur l'Hexagone, puisque en fait, il a déplacé tous les types d'âge, tous les types de statut, tous les types de commandement. Ça a été beaucoup de mouvements et donc ça a permis, ça a été un changement entre guillemets presque brutal, obligé par le fait qu'on changeait de lieu géographique. Donc ça, c'est ça qui a facilité entre guillemets ce regroupement géographique, a facilité la conduite du changement. Mais sinon non, c'est pas une question d'âge, hein, c'est pas ce qu'on a vu. Il y a des habitudes après, c'est très difficile à dire. Hein, on n'a pas isolé franchement, on a vu des îlots de résistance à droite. Enfin, des fois c'est des cultures, alors on peut dire c'est des cultures régionales, c'est des habitudes. Il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux en termes d'âge ou de statut ou d'autre chose. On n'a pas trop. On aurait trouvé les leviers beaucoup plus facilement sinon. Alors d'abord, je voulais vous faire part de mon admiration par rapport à ce plan d'urbanisation des systèmes d'information, qui est un modèle du genre. Je vais me permettre de vous poser une question d'urbaniste, de SI. Si j'ai bien compris, donc vous avez bien une zone décisionnelle, vous avez bien une zone, je suppose que la zone, ce que vous appelez SOC infrastructure, est-ce que c'est ce qu'on a la zone d'échange ou pas? Oui, il y a des échanges. D'accord. Oui, oui. Ok. Il y a 7 ans. D'accord. Alors ma question est très simple, parce que c'est un problème qui se pose pour pas mal d'urbanistes de SI dans les grandes sociétés. Il se trouve qu'actuellement, et je fais référence à la zone de pilotage et d'aide à la décision, nous sommes envahis par deux phénomènes qui sont une croissance phénoménal des données de la décision, et je pense que pour avoir travaillé sur un dossier d'analyse des informations satellitaires de la défense, je pense que vous êtes bien servi, d'une part, et d'autre part, par une augmentation de la variété, de la vélocité, de la rapidité d'arrivée de ces données. Comment est-ce que vous avez géré ça dans votre plan d'urbanisme du SI, c'est-à-dire le fait que le système décisionnel qui normalement avait un horizon d'aide à la décision qui était plutôt, on va dire, moyen terme ou court terme, alors que maintenant on est obligé d'avoir des systèmes d'aide à la décision stratégiques, et je fais référence à mes clients de la distribution, du marketing, etc., qui doivent maintenant prendre des décisions hyper, hyper rapidement, donc à un horizon de temps très très court. Et je pense que vous avez peut-être la même problématique au niveau des armées. Et donc ma question, c'est comment vous gérez ça, quel impact ça a sur votre plan d'urbanisme et sur vos plans à venir? Au niveau de l'urbanisation, donc là on aborde deux problématiques. Il y en a une qui est effectivement ce qu'on appelle nous la zone fonctionnelle de décision, qui permet de prendre des décisions sur le fonctionnement en fait, qui est très proche de ce qui serait dans une entreprise civile. Et par contre, tout ce qui est l'exploitation de l'information, c'est plus à des fins de renseignement, donc on l'a mis dans la zone fonctionnelle de renseignement. Au niveau de la zone de décision, c'est comme toute entreprise. Donc on a les mêmes problèmes que toute entreprise, c'est une des zones qui est les moins matures, hein, je dois dire. Donc actuellement, on fourmille de petits systèmes de décision. Donc l'objectif, c'est justement d'essayer d'établir un schéma directeur donc déjà de cette zone fonctionnelle de décision, c'est en cours. Alors c'est pas celle sur la, c'est celle qui est la moins mature parce que grosso modo les sortes de grandeur sont inférieures par rapport à d'autres zones fonctionnelles, donc elle a été regardée un peu après. Donc actuellement c'est ce qui est vraiment en train d'être regardé parce que les petites rivières font les grands fleuves et donc on s'est aperçu que avoir des petits systèmes de décision à droite et à gauche, ça commençait quand même à coûter pas mal d'argent. Et puis, une fois qu'on a fait le premier ordre, on attaque le second ordre. Dans le domaine de renseignement, c'est différent. Donc, la zone fonctionnelle de renseignement donne un schéma général.
Mais après, c'est par brique métier. Donc, bon, là, par exemple, il y a la brique renseignement, mais après, il y a les briques de renseignement, de plus ou moins, les renseignements stratégiques, les renseignements tactiques. Donc, en fait, pour répondre à la question sur les différents cycles de rafraîchissement de l'information, c'est en fonction de l'utilisation. Il y a une zone fonctionnelle générale, mais après, c'est plus par emploi du type de renseignement, donc stratégique, tactique, opératif, tactique, où les briques métiers sont faites. Donc là, la zone fonctionnelle est très générale, elle dit qu'on s'organise comme ça, et puis après, dans la mesure où en même temps, ce sont comme des activités qui, suite aux différentes réorganisations par les différents gouvernements, qui sont de droite ou de gauche, ont quand même concentré les activités de renseignement dans très peu de services, c'est naturellement très concentré en termes d'organisation, donc c'est beaucoup plus facile à gérer, et en même temps il y a cette gestion sur les chaînes de commandement qui permet en gros de faire quelques blocs et après qui sont vraiment maîtrisés à l'intérieur des services qui gèrent ces blocs. Donc la démarche d'organisation sur les slides est après un peu moins appliquée dans la mesure où en fait il y a une organisation particulière qui peut être en charge de tel bloc, une autre de tel autre. Ça tourne entre deux organisations, donc c'est assez. Est-ce que je maîtrise bien. Que le système décisionnel est encore. Alors, c'est encore éclaté et en silo. Le système décisionnel général, hein, pour dire comment on pilote en fait tout ce qui est les outils de pilotage. Alors c'est pas qu'il est en silo, c'est il y a encore un certain nombre d'outils qui sont, c'est les petits outils qui sont pas encore fondamentalement sur des notions de service commun. Donc, vous n'avez pas encore une problématique de gestion de big data au niveau de l'aide à la décision qui réunirait des informations interarmées. On regarde ça sur. En fait, si c'est la décision à des fins de renseignement, ça c'est regardé. Si c'est des décisions simplement pour le fonctionnement, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment regardé. Par rapport à d'autres type de système d'information d'entreprise, quelle est la spécificité par rapport à la problématique de la sécurité qui est sans doute différente de la problématique de la sécurité dans une entreprise lambda? Ben, fondamentalement, d'un point de vue juste comme ça fonctionnel, c'est une problématique qui est similaire. La différence, c'est les niveaux de sécurité qui ne sont pas les mêmes. Donc avec les obligations légales qui peuvent être associées à certains niveaux de sécurité. Donc parlons d'un niveau de sécurité dont il a été question dans la presse il y a quelques semaines, donc le niveau confidentiel de défense, il y a les informations qu'on ne peut pas donner, et si on les donne, on risque un certain nombre d'amendes et un certain nombre d'années de prison. C'est ça qui joue. Et après, il y a un certain nombre, donc du coup, il est marqué dans les textes, des obligations légales en termes de conservation, de séparation physique, logique, des différentes informations. Donc c'est ce qui joue parce que du coup, ça oblige après à avoir un certain nombre de contraintes sur les logiciels ou les matériels. C'est principalement ça la différence. Mais sinon, fondamentalement, tout le monde se pose la question de sécurité. Alors on a la sécurité dans la sécurité du trafic aérien, on a aussi sécurité. Typiquement, nous, on est en charge également de tout ce qui est la sécurité des systèmes pour acheminer l'ordre éventuellement pour la dissuasion nucléaire. Donc, c'est les différents niveaux de sécurité. C'est peut-être ça, je crois, qui est la différence par rapport à une entreprise. C'est qu'on a un certain nombre de niveaux. On a beaucoup plus de niveaux que beaucoup d'autres entreprises, des niveaux différents de sécurité. Et il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Avec l'humain, qui est le maillon faible. Parce que quand vous avez, il y a certains qui ont trois systèmes parce qu'ils travaillent sur trois niveaux de sécurité différents. Bah, trois systèmes, il faut faire attention que le gars ne commence pas à faire de la clé USB, de toute façon c'est pour ça qu'il faut bloquer ça. Il faut le bloquer par processus, il faut le bloquer aussi par des systèmes qui font que il n'y arrive pas parce qu'il peut très bien avoir confiance en lui-même et puis se dire bon tiens, si je peux le faire. Donc il faut mettre en place tous les moyens logiciels pour que le type ne tombe pas dans sa routine et se dise allez, je peux le faire, ça ne gênera pas. On va prendre une dernière question. Oui. Fondamental aujourd'hui, on en parle beaucoup que Pierre a abordé là, les
les questions de cybersécurité, sécurité, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit absolument partout. Je prends l'exemple du véhicule autonome. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans les laboratoires de recherche chez les constructeurs automobiles qui se posent vraiment ces questions de prise malveillante de véhicules automobiles s'il y a des véhicules autonomes. Donc ça, c'est réellement un vrai problème que l'on voit dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine du transport, et dans le transport qui a tendance aujourd'hui à s'automatiser. Donc dans le domaine de la défense, évidemment, c'est un problème qui est traité depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement de la prise en compte de nouveaux besoins de sécurité par rapport, je dirais, aux besoins de confidentialité traditionnels? Oui, donc il y a toute une démarche de cybersécurité, la cyberdéfense, hein, qui va de... pour définir ce qui doit être résilience jusqu'aux différents types d'usages. Donc il y a un OG cyber, un officier général de cyber, avec une chaîne de gouvernance sur la cybersécurité et une chaîne d'exécution en cas de crise pour la sécurité. Donc c'est quelque chose qui est pris très au sérieux et qui a montré ses preuves ces dernières années, hein, avec les différentes attaques qu'il y a en permanence, y compris les grandes attaques après Charlie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est regardé de très près et sur l'ensemble des... Alors toute cette démarche-là, là j'étais très rapide puisque je montre en gros une grande banque qui s'appelle Sécurité, et ce sont des sécurités qui sont déployées à tous les niveaux. Et en fait l'objectif c'est que la sécurité ne devienne pas non plus une contrainte pour l'utilisateur, parce que sinon on sait que si c'est trop contraignant, l'humain il va c'est pire entre guillemets de lui donner trop de sécurité, parce qu'il va faire en sorte de contourner la chose. Donc il faut être capable d'apporter la sécurité tout en s'assurant que ça va bien être appliqué par les uns les autres. Donc on a une sécurité sur le matériel, sur le logiciel, on a différentes couches de sécurité, et puis aussi il y a surtout du monitoring en permanence. Donc on est vraiment sur les cinq axes de, enfin, où on essaye, on voit, on prévoit, en cas de problème, on analyse, on réagit, après on fait les lessons learned, donc pour améliorer éventuellement les préventions ultérieures. Donc cette démarche-là est permanente pour nous. Après on a des séparations de certaines choses. Au niveau des systèmes, parce que je vois sur les voitures, parce que ce qu'on craint effectivement, c'est les prises à distance. Donc là on a sur un certain nombre de systèmes critiques, bon déjà il y a c'est isolé, les composants critiques sont isolés, donc ce qui les rend beaucoup plus difficile la possibilité de les prendre en main, sauf à rentrer physiquement sur le système. Et donc c'est des couches maintenant, dans les conceptions des systèmes qui ont plus ou moins d'autonomie ou qui ont des fonctions autonomes de plus en plus développées. Donc il y a une prise en compte de tout ça pour arriver justement à isoler les fonctions critiques par rapport à d'autres fonctions qui sont beaucoup moins isolées. Donc on regarde ça dans la conception même des systèmes physiques qu'on réalise, en particulier quand il s'agit de systèmes autonomes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est regardé maintenant de manière systématique au niveau de l'ensemble des opérations qui sont conduites. Bien. Alain, tu veux conclure? Tu veux dire un petit mot de la fin quand même? Bon. Dernière question. Ultime. Voilà. Dernière. Très courte, très courte. Bon, la réponse aussi, c'est ça. Donc actuellement, dans le domaine de l'entreprise d'architecture, on a effectivement la méthode TOGAF qui est la plus répandue. Il se trouve qu'il y a d'autres méthodes, dont celle du département de la Défense, la DODAF. Ma question est très simple. Est-ce que vous avez développé on va dire un corpus méthodologique qui serait propre à la Défense nationale française? Donc la réponse était oui, jadis, et ce corpus a été abandonné. Donc maintenant, c'est NAF qui est utilisé. Donc NAF, NATO Architecture Framework, qui est MODAF, DODAF, NAF, c'est à peu près similaire, hein, ça ressemble. Donc c'est le grand cadre du domaine défense. Donc c'est une trentaine de vues par rapport à TOGAF, parce que je connais bien les deux. Donc par rapport à TOGAF, il est très orienté vue, mais il a aussi un mécanisme de repository, comme on dit en français, donc de répertoire et d'archivage des différentes architectures de référence, etc. Par contre, il n'a pas l'ADM, la méthode en fait, même si elle est standard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir maintenant, alors aujourd'hui on est en NAF V3,
1903 de NAF. Il y a une, en principe, on devrait avoir ratification du NAF V4, on en trouve sur Internet. Le NAF V4 ressemble, pour ceux qui connaissent l'architecture d'entreprise, beaucoup plus au framework des Armand. Et en fait, il y a déjà des travaux. Il utilise tout, différents trucs au niveau de MODAF, différentes évolutions du dernier MODAF. Et en fait, on a maintenant des travaux d'affectation de TOGAF MODAF. Ce qui fait que NAF commence à ressembler. Enfin, on voit comment TOGAF et NAF pourraient converger ensemble. Au niveau de la DGA, c'est NAF qui maintenant est obligatoire d'utilisation. Donc ça ressemble à DODAF ou MODAF. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un petit pot qui est organisé, mais c'est le bar au CNAM et en face. Il y aura un pot au café Léonard juste en face de l'entrée. Je vous ai pris tout à l'heure. Attends, j'ai cru que je vais rajouter quelque chose. J'ai porté dans ma besace un petit bonus. Ce sont des copies de les deux derniers numéros de la revue Génie Logiciel. Où il y a des sujets, ils ont traité des sujets d'actualité, comme l'Internet des objets, l'autonomie, etc. Donc c'est pour vous.